Salutations à YouTube. Ah, un random. Un random tainted. Ah, mais si c'est qu'un, ça va me faire chier. Allez. Un tainted random. Apollyon. Ok. Apollyon, il a pas fait quoi? Il a pas fait Hush, Mega Satan, Delirium, Mother the Beast. On va partir sur une farm de reset quand même. Alors, allez, pourquoi pas. Donc Apollyon, son objet spécial à Abyss en bas à droite, c'est quand un objet me plaît pas, j'utilise ça et j'obtiens une mouche rouge qui se lance tel un Bob's brun quand je tire. C'est pas dingue, hein. Mais ça a le mérite d'exister. Ah. Est-ce que je veux la mouche ou est-ce que je veux une mouche rouge? Je pense aux mouches, on vole, hein, mais... Mais c'est laquelle, celle-là? C'est celle qui tourne de loin ou c'est la revenge? Ouais, c'est... Ok. Ah non, ah, allez. Oh, quand même. On va peut-être trouver un... peut-être trouver un starter. Je passe un merveilleux moment. Ok, ok. Anemic Blood, c'est zéro, hein. Burning Basement en plus. Il a un tier rate nul, maintenant il a un bon tier rate. Bon, maintenant on a un autre souci, mais... mourir en deux frames, hein, spoiler. Ouais, je pourrais me faire masse de pognon. Reste à voir si c'est rentable. On va voir le shop, la gueule du shop. Ouais, la seule range que j'ai, c'est quand il y a la mouche à merde. Alors, elle est pas complètement nulle, hein. Elle essaye quand même de s'ajuster vers l'ennemi. Quoique là, non, pas du tout. Non, c'est vraiment de la merde. Hein. Alors, éventuellement, avec Hive Mind, et si j'en ai 12, pourquoi pas, mais... Si mon build se construit autour des mouches, c'est que... Rien ne va. Des bouncing tears au pif, ça? Parce que c'est la merde. Steam sale. Ok, on va le prendre, le pognon. Hein. Steam sale en solde. C'est quand même beau, hein. Un petit petrified poop là pour farmer du pognon. À contre, hein. Ah, ok. En niveau bombe, on est trop bien. Donc on ira chercher ce pognon, c'est sûr. Par contre, j'ai qu'un cœur. Ah. Peut-être une solution ici. Même si en théorie... Ah bah parfait. Est-ce que je veux le prendre après le boss, ça? Donc le Salt Steam à... La souris, c'est chez vous. Le Salt Steam à 7. Doo 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 do
Ah, Vapor Tail. J'ai la ref. Ouais, du fer, mais la bombe est sur YouTube, je crois. Ça, on discover. Mais je dois jouer quoi? J'ai quand même un Hush à jouer si on... parce qu'on ne sait jamais. Ah, par contre, c'est vraiment dommage de ne pas avoir eu de cœur bleu. C'est vraiment très dommage. Pour la suite des événements. Speed upsize down une pilule ou une mouche à merde. Petite mouche à merde là. Upsize down, c'est pas... Je prends le risque. Pognon là? Yes. Gulutoni. Un petit health up, un petit cœur. Très nice, un petit cœur. Bravo, merci. Ah mais du coup mon devil deal dans le cul, bravo. Un génie. Bon, quoique 30%, on le sait. Si je suis joueur, je vais être dans maintenant parce qu'en théorie, j'ai un bon soin avec le cœur, du moins j'espère. Allez. Un. Intéressant. La question c'est est-ce que je veux jouer... Si je me fais toucher, je suis mort. Est-ce que je veux jouer... Devil Deal. Pi est pas inintéressant. Brother Bobby, c'est des rêves de Conjoin, mais c'est trop loin. Je peux les void? Non, faut les acheter pour void. Skip. Après, elle est considérée comme visitée là? Non. C'est ça le problème. C'est que là, il faut quand même que je la pop pour avoir l'Angel Room garantie derrière quoi. Non? Ah là, parce que là je suis à 36% de Devil Deal. Ah oui, elle va s'ouvrir automatiquement à la fin, c'est ça? Hmm. Le T-Rate, on l'a. C'est juste qu'on n'a pas les dégâts et on n'a surtout pas la range. Vas-y, de toute façon, je vais pas jouer pilule, donc autant prendre ça. Health down. Alors peut-être pas. Quoique, ils vont me filer un cœur noir peut-être. Et si on joue Angel Room, why not? Et je prends du dégât up. Health. Ah, c'est un énorme dégât up forcément parce que c'est quand même... C'est quand même vénère. Ça me va. Ah du coup mes mouches elles scale sur mes dégâts parce que sinon c'est vraiment un cauchemar. En théorie oui. Oh, c'est useless quoi. J'ai de l'argent? Pas trop. Mais j'ai des bombes. Et une machine. Une machine de dons qui se porte au mieux, hein, on le sait. It is known. Donc non, c'est bien ce que je disais, ouais, faut vraiment qu'elle s'ouvre à la fin du boss alors. Ah mais non, mais vu qu'elle est considérée comme visitée, je suis sur un 50-50 quoi qu'il arrive. Non, elle est pas... Non. La TP. Elle m'empêche pas d'être à 100% de Devil, Angel Room derrière. Il faut quand même qu'elle apparaisse. Vous avez vu?
Oui, non, mais je l'ai vu aussi, mais je vole pas. J'ai qu'une clé. Pour passer à 100% de Devil Deal, il faut qu'elle pop et que je l'ignore. Oh, oh oui. Oh, ma vie est dégueulasse. Oh, oh oui. Oh oui, et pas qu'un peu. Acceptable ça, non? Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû jouer le shop parce qu'avec cette bombe, s'il y avait une clé au shop et Steam Sale, on se mettait trop bien. Elle, elle va aggro des gens, quoi. Bon. Jouons, jouons le build, jouons le perso de mort. Ah, j'ai pas regardé pour les secrets. Attendez. On va jouer secret. Hein. Ok, elle est pas là, donc elle est sûrement ici ou là. En sachant que c'était une salle normale sur Gluttony qui n'est pas bouchée. Et. Je vais quand même jouer à l'économie. Hein. Alors, ça peut être là. Peut-être un peu tiré par les cheveux, mais. Voilà. Ma vie pue le sexe. Crochet marqué celle des pièges. Non mais je. Ah. Oh fais chier, j'aurais dû commencer par le shop. Là, ça commence à être dramatique par contre. Ah, c'est dommage quand même. Alors si je peux y aller, c'est long et pénible. Ok, my bad. Oh, alors là, c'est vraiment très pénible. Très coûteux, on va dire. Ensuite, si ça me donne une clé, je suis le roi du monde. Hein. Oh, c'est chiant. C'est coûteux. Oh. Bah non, je vais le fight. J'ai pas void et puis oui, on a pas envie de la flûte de mes couilles. Aïe aïe aïe, ça pop pas. Feels bad man. Ace of Clubs mieux, Hierophant très bien. Ace of Clubs là ou sur une salle chiante? Normalement c'est plus sur une salle. Ah, je vais faire ça plutôt. On va laisser Arts là. On va s'accommoder des... Ok, ma vie plus. Ah, j'aurais dû reroll le... moi, c'est pas grave. Ouais, j'aurais pu... j'aurais dû privilégier les bombes et le prendre. C'est pas grave. Tant pis. Prendre la super cigarette. Ah, il y avait un tonneau qui se bouge. C'est pas grave, on s'éclate. L'éclate est total, c'est faux. Il me faut des clefs. I need keys, bruh. J'ai Steam Sale, de l'argent, et je ne peux pas aller au magasin, c'est terrible. En voilà une. Piégé. Et si on jouait Devil Deal?
peut-être pas envie de prendre celui qui fait des dégâts. Oh la baise. Oh la baise, la baise, la baise, la baise. La baise, la baise. Les mouches, les mouches. Bravo. Méga Satan, on oublie. Ah oui, merde. Eh mais je joue quoi là si je joue ça? Ah oui. Bravo. Maintenant je peux plus jouer Mother. Qu'est-ce que je joue? Je rush Hush maintenant? C'est ça ma vie? Probablement. Ah oui, dans The Beast j'ai le droit. Bah The Beast, on joue The Beast. Oui non, je confondais avec Mother, ouais c'est ça. On joue The Beast, pourquoi pas. On va gagner de la range un jour quoi. En plus là on s'en fout de laisser des trinkets. Ah parfait ça. J'ai pas de perso à débloquer. Shop first. Ouais. The Beast de mort. Oh le Calport, c'est bien le Calport. Calport c'est oui. La Road Class, oui, oui, on peut faire ça, oui. Donc ouais, le Calport, c'est d'où je viens, ça reste ouvert. Donc, si c'est la panique ou si c'est cul-de-sac, je peux me casser. C'est très très bien. On apprécie. Bon là, ça m'emmerde, je m'en vais. Double empereur, ouais non ça fera rien de spécial. Hein. Ah oui il était bon. Oui je fais le magasin en premier. Au cas où. Le petit chiche. Au cas où il y a le truc qui mettrait des objets là. C'est très bien Celtic Cross. Je vais pas y aller. C'est vrai qu'on peut repenser à Hush. Et plus au boss rush parce que je suis à 13-42. Hein. Je me suis traîné le Huc. Question de point de vue quoi. Mais avec le Calport, vu que je peux éviter les... Qu'est-ce que je fais? J'ai trippé hein. Alors que c'est la gratuité absolue ce boss. Est-ce que je le veux ce bon art? Pour un Devil Deal, ouais. L'émération de The Emperor, c'est pas mal. Putain, je me souviens plus. C'est juste le bon art? Maro? Ah, parce que je vais avoir des Devil Deal, quoi. Je peux sacrifier un bonheur sur un Devil Deal. Ouais. Go. Moi, je vais pas quitter ma description parce que j'ai pas encore tout découvert. Donc j'ai pas envie de me spoil. J'avais juste utilisé pour le tournoi de DFG vu que justement là on joue avec une sauvegarde totale et bon, dans un setting compétitif, il fallait mieux savoir. Pas de mapping, ça fait plaisir. Non, sérieusement. Oh non. Oh là là. Oh la salle rêvée.
salle de vos pires cauchemars, c'est celle-là. Ah, disponible Far Cry 6, m'indique Epic Store. Alors, je devais avoir une OP dessus, sauf que je leur ai dit non, vous êtes Ubisoft, c'est plus cher. Pas de nouvelles. Bizarrement. Pas une nouvelle. Ok. C'est pas grave. Ah mais en vrai... On était mieux payé pour des jeux comme Ender Lilies ou des indés comme Worms. On n'allait pas faire Far Cry 6 pour le même prix qu'un indé. Faut se respecter au bout d'un moment. Ok. Hop. Oulala. C'est dommage parce que Far Cry 5, on s'était vraiment tapé des barres monumentales. Alors peut-être que je testerai Far Cry 6 à l'occasion. Mais bon. Une fois la magie va passer à des bugs what the fuck, je ne sais pas. Est-ce qu'on se dit qu'on s'en fout de l'item room? C'est quand même audacieux. Ah mais... En vrai, faut que je joue The Beast et que j'oublie Yosh. Non, 16 minutes 22, on oublie plus, j'avais pas vu. Parce que le problème, c'est que j'ai quand même Steam Sale, quoi. C'est un peu assassin de pas l'exploiter. Far Cry 5, c'était avec le dragon noir du Pakistan, tout à fait. Et c'était pas en OP, hein. C'était une découverte legit après avoir pas joué à un Far Cry depuis le 1. On a beaucoup, beaucoup ri. Je ne savais pas que c'était autant la foire à la saucisse. Et avec Denis, Denis! Oh là là, pff, Zidane. Ouf, on se calme. Arcade, why not? Tiroli pimpon sur le chihuahua. Non mais c'est cher le gacha. Ouais, et puis c'est ça que j'ai pas de cœur rouge. Voilà, typiquement, moi, le bon art là, il aurait été Gucci Gucci. Dommage. C'est sympa. Toujours pas trouvé l'item room, toujours pas trouvé le magasin. Hein. C'est bien ça. C'est bien ça ma vie. Super sloth. Du coup, je vais trouver toutes les salles. Pour Abyss, ça va être la loose, quoi. J'espère que j'aurai de bons objets parce que niveau reroll, on va être limité. The Empress x2. Pourquoi pas? Pour tartiner un boss chiant. Il faudrait que je récupère mon Ziempre. Oh là là, mais il va falloir le retrouver. Oh, c'est infernal. Infernal. Vas-y, du pognon là. Ah, il y avait un smiley. Il y avait un caca sympa. Un caca des shitty friends. Au moins, on est plus sous le stress du temps. Non, on est sur le stress de la performance. On peut le faire, hein. Avec les mouches... Merde. Les mouches compensent mon absence de range catastrophique. Bien de trouver une saleté, là. Un magic mash. Ah, voilà l'item room. Normalement, c'est shop first, hein. Être là, impossible. Je suis perdu, j'en peux plus. JPP. Ok. Bon. Allez, mouche à merde. Bon, je trouve des pilules aussi là. Alors, Carrot Clubs carrément. Enfin, un starter deck plutôt. Ouais, par exemple. Oui.
Quel Guise. Ah oui, mais du coup, plus de pilules. Donc le Worst PhD, bon, il m'aura donné un... il m'aura donné un damage up, un gros damage up au début. Ouh. Ah ouais, non, mais il me faut de la range. C'est très très bien, mais il me faut de la range. Nom de Dieu. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Ah oui, merde, là, ça a même pas le temps de proc. Ça a même pas le temps de proc parce que je pisse par terre. Oh, la défaite. Ok. On va tout défoncer là-bas. Je vais pas faire le gacha. Oui, ça procrase la même map. Avec Celtic Cross, on pourrait tenter ça, mais bon. On va faire la machine de don, faut pas déconner. Et il faut que je farme. Faut que je farme tout. Oh là là, on va se faire chier. On va se faire chier. Faut que je farme l'échelle de corde, les secrets. Quel plaisir. Le tout sans mapping, évidemment. Sinon, c'est trop simple. Team Jacob Zadder, oui. Il y a longtemps. Oui. Est-ce que c'est bien... attention, hein, je suis full pas au courant. Vous allez le voir. Est-ce que c'est bien Squid Game ou c'est de la merde? Ah là, j'ai dû lancer un débat de ouf. Parce que j'ai vu que c'était sorti, que tout le monde en parlait, qu'il y a eu un shop éphémère à Paris et compagnie. Mais c'est vraiment cool ou quoi? Ok. Un Battle Royale. Ah, c'est comme Battle Royale. C'est un truc... ok. Du décalé Katam, quoi. Ah, Linkus, des bisous. Ok, ok. Oh, c'est infernal. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Là, vraiment, c'est... Ah oui, en plus, je l'ai placé mal. C'est du génie. Ça marche pas, hein. Oui, c'est bien ça. On va démarrer, après ça va. Ça a l'air de se binge-watcher. Je sais pas combien d'épisodes il y a, mais... Oh, Two of Spades, c'est oui. Chariot, double The Empress, Wheel of Fortune. Ok, et c'est quoi la carte des enfers? Ça, c'est l'un resté invincible plus longtemps. On se fait toucher. Justice, point d'interrogation. Alors ça, c'est fort. Super Secret, pourquoi pas, après tout. Oh, avec le tarot de mes couilles. Oh, la dingue. Oh, j'aurais peut-être dû faire ça ailleurs. Je crois que non, hein. Oh, et avec les clés infinies. Je suis un génie. Bravo. Allez, dis-moi qu'il y a des objets quelque part, là. Non. Counterfeit Penny. Ça pour récupérer un Algiz. À voir. Counterfeit Penny en attendant, en tout cas. Lock up et deux clés. Est-ce que je l'avale? On va voir. Keeper's Bargain, Money Talks. Je sais pas. Ok, donc la question c'est... Ça donne pas de range la vis, non? Ou si? Non, je crois que c'est du... Shot speed et... Alice in Borderland, ah oui. C'est peut-être un double abyss, ça, non? Je crois que le luck... Il y a un cœur bleu aussi. Peut-être je prends la clé. Peut-être on prend la clé.
Mais j'ai pas fait le boss encore, donc le Abyss en vrai... Ah si, j'ai fait le boss, je sais plus où j'habite. Non, j'ai pas fait le boss. On revient dans quelques instants. Ah, mais il va falloir que je retrouve cette salle. Ma vie est un cauchemar. Ah, ça peut pas... Je sais plus où c'est. Magic Mush. Et on doit aussi trouver la secret normale. On doit trouver une échelle de cordes s'il y en a une. Oui, Jacob Ed. Oh, Jacob Ed. Oh. Oh, Jacob Ed. Avec l'eau là en plus. Formidable. Alors ça se prend. Hein. Ça aussi. Et alors? Oh, les deux sont incroyables. Ça coûte si cher, mais les deux sont incroyables. Incroyables. Oh là là, je ne vais pas résister. Ah oui, oh là là, oh oui, oh la transfo. Oh, c'est confortable. Ok, les petits potes qui tirent là, double incubus. Transfo Léviathan, 8 de dégâts. J'ai juste à trouver de la range maintenant sur ce build. Du coup, la question, c'est est-ce que... Void les autres. Est-ce que je prends les mouches ou je prends... Mais la vis, shot speed, c'est Osef. Ah non, je vais peut-être prendre le... Ouais, je vais prendre la clé. Hein. J'avais dit je prends la clé, ça me file un cœur bleu, mine de rien. Et la luck. Vis tears up. Ah mais... Je suis quasi max, là. Aller chercher du tears, j'en ai rien à foutre. Je serais capé à 5, en vrai. On va faire ça. Est-ce que je garde le calport ou je prends le counterfeit penny pour grid du pognonx? Cette grille du pognon. Ah oui, putain, j'ai 3 objets. Algis, Ziempress. Peut-être reprendre mon Ziempror. Keeper's Bargain, mais je sais pas si c'est fou. Encore de la sol. Ah, mais c'est pas pour avoir les Devil Deal en pognon. Oh, si c'est ça. Ah, je crois que c'est ça, non? I think it is. That. Oh. Et le tour of spades, allons-y. Two of spades. Comme ça, j'ai le choix. J'ai juste à le lâcher dans un double deal. Not bad. J'en ai plein le cul. Hein. J'y vais là. Mais attendez, ah non mais j'ai bon moi fini quand même, c'est une échelle de cordes quand même. Et je crois que j'ai toujours la secret normale à trouver, oh c'est intolérable. Je m'excuse. Au nom de la MV Production, je m'excuse pour ce contenu famélique. J'ai déjà fait tout là en plus hein. Je suis en train de retracer les mêmes endroits. Imaginez, on s'en voudrait quand même. On s'en voudrait pas d'avoir loupé l'échelle de corde. Ah, je m'en voudrais. Est-ce que j'aurais pu l'avaler si je l'avais... Oui, si je le mets sur un piédestal, j'aurais pu l'avaler. Dommage.
je ne regrette rien. Par contre, j'aurais dû aller récupérer le counterfeit penny avant de prendre les pièces. Et là, là, vous auriez été au bout de votre vie. Mais c'est l'opti, hein. L'opti, c'est comme ça, on réfléchit pas, hein. On pourrait aller faire la curse, mais en vrai, j'ai gardé ma vie. Pour un demi-cœur, non mais je sais plus où elle est, je veux que ça s'arrête. Je veux que le jeu arrête de ne pas me donner du mapping, bordel de merde. J'ai quand même pas trouvé l'échelle de corps. Bon, ok. Juste de la range et on est vraiment en ligne. Hein. Merde, j'ai gardé Zian Press et pas pris Zian Pro. Un peu dommage. What's done is done. Et on envoie les mouches. Bravo. Pas terrible. T'as pas oublié de partir vers The Beast, bien sûr. Est-ce que c'est déjà arrivé ici, une fois? Citez-moi une fois sur cette chaîne où on aurait oublié de prendre le bon chemin. Souvenirs me reviennent, hein, mais... Un petit hiérophante, là? Avec ta rod close, là, on se met bien? The Eremito. En vrai, pourquoi pas. Rose Heart, je sais plus ce que ça fait, ça m'emmerde. Curse Room Hermite, du coup. Bien sûr! Il est où? Il a eu peur. Oui. Bravo. Judgment. The Hermit. C'est parce que j'ai Tarot Close que le shop il est débile à ce point-là? Alors. boîte de Pandore, Depth Swan, c'est à chier. C'est l'argent, non? Si c'est les Soul Art, je suis content, mais je crois pas que c'est... Je sais plus. De toute façon, j'ai à garder pour Womb 1, hein, le classique. Encore. Burst Ride, déception. Alors, déception passe encore, mais tant que c'est pas un nerf. I don't know. Ah oui, Woman, on va à The Beast. Ah, mais du coup, on peut remonter et l'utiliser à cave pour avoir des objets. Ensuite, je peux juste prendre les Soul Art ici, hein, mais bon. Oui, je vais pas Womb 1, ouais. Très juste. Prenons la vie. Bon oui, on l'aime bien au village. Putain, ils m'en ont filé des objets de mouche, j'aurais pu avoir la transfo Beezlebub. Bon, en même temps, j'ai la transfo Léviathan, je pense que... Osef, quoi.
Double Algis. Voilà pourquoi on fait pas les challenges. Ok. Magnifique. Ah, la range, ça serait quand même un Gucci Gucci. Vas-y, j'ai de la bombe à plus tard, quoi en foutre. Voilà, moult cartes. Non mais la TP je trouverai The Fool au prochain étage et je veux garder mes deux Algis hein, de toute façon. On est bien 1 là. Innocent. La range quoi. Come on. M'énerver. Reste zen. Mais non, si elle est, si y avait les feux là, ça peut pas être là non plus. Ma vie pue le sexe officiel. Ok. Magnifique. J'étais tellement convaincu que j'allais le one-shot. Pas du tout. J'ai sous-estimé Pain. Quelque chose qu'on dit rarement, ça. La peur, elle est sympa pour des cœurs bleus, mais bon. Avec deux Algis, on va peut-être arrêter les conneries. On est plutôt dans le confort. Juste un peu de range là, un peu de range quand même, quand même. On n'est pas des animaux. Ça se négocie quoi. Un peu dommage, ouais non. Je peux pas regretter mon worst PhD tellement les cartes elles me carry là. Surtout les runes en l'occurrence. Vas-y, ça m'emmerde. Officiel. Oxygen, du coup c'est The Beast. Plus trop le choix. Aïe, doucement. Ah oui, il a peur. On sait ce qu'il foutait, mais il a peur. On voit mal son ombre. Ok. Guiche, familier très sympathique au demeurant. Je pense qu'on va le bouffer. J'ai pas eu le Devil Deal, il fait chier. Ensuite, il met du slow et tout, hein. On l'aime bien au village, quoi. Conjoin, bah j'ai rien pour... Ah si, peut-être que mes doubling bus ils comptent Conjoin. Je sais même pas s'il est Conjoin. Free curse, mais je l'ai fait la curse, non? Oui. Ouais, bon, on le bouffe. Ok.
Donc, Curse of the Lost. Ah bah oui, ça serait dommage d'avoir le mapping. Hein? Voilà. Pourquoi? Pourquoi après tout? Bordel, fais chier. Ok. The Devil Strength. Bravo. Joue quel perso? Tainted Apollyon. Et on a commencé avec Lemon Mishap, hein, quand même. Non, pas Number One. Et ça, c'est beau. Et un Steam Sale en solde. Ça aussi, c'était beau. Faut savoir apprécier la beauté des choses simples. Là, on va tout bomber, hein, c'est clair. Avec Tarot Cloth, là. Il y a trop de cartes qui sont intéressantes. Celle-ci, n'en fait pas partie. Merde. Oh bah la voilà, notre The Fool. On va me régler. Hop. Bravo! Sublime! Oh la Sacrifice Room. Oh la mauvaise idée. Judgment. Ça peut être tentant de plus les exploiter cette fois-ci. Ensuite, je serai quasiment à 100% de Devil Deal, bien entendu, en les bombant. Oh là là, mais ça va être off. 33 clés. Oh, 27 bombes. Oh, quand même, hein, quand même. J'ai l'impression. Je crois que je vais jouer avec tous les mendiants. Et dès maintenant, en vrai. Là, j'ai mon Abyss de chargé. Il va se bomber, faudrait peut-être que je le libère. Je sens le drame arriver. Je prends mes précautions. Enfin, lui en plus je peux pas le bomber, donc c'est vraiment super chiant s'il m'arnaque. Ok, c'est super chiant. Je le déteste. C'est cool de le faire avec une clé dorée, lui, ne serait-ce que pour ouvrir ces coffres-là. Oh, ils ont décidé de me baiser, hein, et pas qu'un peu. Bah tiens. Maintenant. Non, t'arrêtes tes conneries. Non, 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 ça, ça va se manger. Je descendrai pas en dessous de 5, hein. C'était up. Oui, non, mais je sais que c'est ok, Cursed. Mais moi, je joue Cursed High seulement avec The Lost. Il m'a saoulé. Du coup, je vais le bomber, je pense. Je vais avoir des clés ailleurs, mais en réalité. Il me mettrait bien pour le Devil Deal. Le problème, c'est que Abyss, je vais être en panne de charge. Ensuite, on n'a pas vu le shop encore. Sacrifice avec les cœurs. Ah, ouais. C'est deux cœurs, hein. Faut peut-être arrêter de s'enflammer. Ah. Interesting. Si je trouve des cœurs là en vrai, ouais, pourquoi pas.
pouvais le faire en deux, mais bon, c'est pas grave. Ok. Plaisir. Bon plaisir, en tout cas. Sacrifice Mega Satan. Ouais, mais bon. Pas en jouant The Beast, hein, c'est le problème. Chiant. Ah, oh, évidemment. Évidemment. Ça me saoule. Ça me saoule. Ok. J'ai pas Hermite qui traîne. Si, mais... Ah genre si j'utilise Ermite fou, ça va me remettre un vrai shop. Pas contre. Hein. Le double Ermite. Oui, il y a encore un shop à Géna, c'est vrai. Hop. La botte. La baise, la botte. Ok, alors. Tac, tac. Magnifique. La mouche qui pète. J'en suis à combien? 77,5. J'avais dit que j'allais péter le mendiant. Hein. Et là, j'ai 8 clés. Je pourrais encore jouer avec, mais. Oh là là, c'était où? Oh, je suis au bout. C'est infernal. Non. Non, là, c'est la curse. En bas. Ok. What a prank, bro. Ok, c'était superbe. J'en ai plein le huc. Et toi là? Eh non, mais j'ai plus besoin de thunes, bordel. Oh, je les déteste. Je les déteste officiel. L'écure, on passera. Ok, boss. Soon. Je vous le jure. C'est un shop, oui. Un petit refresher. Superbe. J'ai bien The Fool, oui. Mais ça m'a pas donné de trucs en plus de bomber le mendiant des clés. Feels bad man. Oh, 77,5%, c'est un ratable. Ouais, peu importe. Ah, quoi que si, j'aurais dû prendre négatif justement s'il y avait Krampus. Je pense pas. Oui, oui, bravo, bravo le beau. On pourrait garder Krampus Edge, j'ai pas de space bar. Je pense que c'est mieux qu'une mouche quand même. Ah dingue, mais... Ouais. The fool. J'ai Abyss le Cursed. Non, j'avais pas Abyss au cas où. Donc je vais aller à Abyss, mon Cursed Eye. Et je vais aller récupérer mon Algiz. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est pas par là mon Cursed Eye, je suis en train de retourner vers le boss. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle.
Je l'avais les tower. Direct. Ok, et c'était là, non? Ben, c'était un long corridor de merde, là. Un long corridor of merde. Voilà. Magnifique. Pourquoi je vais vers le boss? C'est une maladie, hein. Je pouvais pas Yermit pour avoir un vrai shop. Ah oui, c'est une vraie info, ça. Mais c'est pas à cet étage-là que j'ai eu un Yermit, non? Je sais plus. Je veux que ça s'arrête. Ah si, là où il y avait la rune. C'est une info chat, ça. La secret collée à la challenge, ça, c'est un bon call. Bravo. Bien vu, bien vu. Troisième Alguise. Pourquoi pas, après tout, hein. Ah, Hierophant, ça se garde. Ah non. Ok. C'est de la merde, mais j'ai pas de charge. Ah, j'en veux pas de ce cœur. Hein. Quoique j'ai pas de Polaroid, donc si j'ai un dernier Devil Deal, c'est mieux. C'est pas clair. The world. Hmm. Ouais. On s'emmerde, quoi. Je vais où? Je suis où? Non. Toujours pas. Il y avait la super secret. Bon, ça, tant pis. Tant pis. Tant pis. Allez, on se casse, pitié. Ouais, non, les Yermit, c'est pas grave. Alors. Attention, une fois de plus, encore du gros gaming, hein. Ne faites pas ça chez vous. C'est loupé. Alors. On le sait, mais on le sait, je le sais, mais c'est toujours un plaisir de vous l'offrir. Moi, c'est vraiment mon petit plaisir. Petit kiff. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est perdu! Ah, t'aurais pas pu me filer un petit Mr. Boom là à bouffer? Salaud! Salut Load, merci. Ils font quoi? C'est quoi? Je sais plus. On les aime. Des poussins. Des petits poussins. Oh là là, le vortex de merdier. Je me suis fait toucher, hein. C'est bien ce que je pensais. Je me déteste. Officiel. Allez, les mouches, là. Exactement la même salle. C'est une blague? Peut-être pas trois fois, oui. Hop là, oui, oui. Allez, mouche. Merci. Où est le shop? Oh là, oh, oh, on les déteste. Bien sûr.
boss. Ok. Alors. Ah, ma skim. Crap shoot. Tuco. Mach Nexus. Bravo. Merci beaucoup. Ah, les cartes. On va jouer aux cartes. C'est nul. C'est non. Ah si. Pourquoi pas. Oui, j'ai vraiment envie de ces objets. Oui. Superbe. Hop. Non, merde. Mettre le pognon. Mettre le pognon à la machine. Hop là. Attention. Est-ce qu'elle va se bloquer avant 100? C'est désespérant. On voyage. Oh, à 3? Pourquoi 3? Ça c'est très très cool et ça c'était... Oh non. Non, j'allais confondre. Non, c'est pas les bons missiles. Et ça c'est les boogers, ouais. Les boogers c'est toujours un grand moment. Ok. Les petites crottes de nez, les petits Mickey. Avec 3 de luck en plus, pas dégueulasse. Je vais chercher ma rune et on va pouvoir se diriger vers l'explosion de Fion de notre ami The Beast. Avec notre double Algiz, hein. Bon vivant rime avec prévoyant. Pas besoin de laisser de trinket. Quoi que pour le plaisir, je vais le laisser mon trinket vu qu'il me sert plus à rien. C'est mon cadeau à la commu. Ouais, mais de toute façon, ouais, bon. En réalité, je vais jamais emmener ça. Ah oui, je volais, j'ai pas pris le coffre doré. Small Rock. Ah mais je vais juste claquer de la red key là. Voilà. Ah, je n'ai pas eu le shop. Ça aurait été incroyable. En vrai je suis con, je l'ai fait totalement au pif alors qu'il y avait une red secret peut-être. Non, il y a peut-être pas de red secret à la remontée, ça serait trop simple. Vraiment pas. Bon, vas-y, je trace, hein. On trace. Oh. Oh, fait chier. Oh, deux objets, ça aurait été génial. Parce que même si c'était nul, on l'avalait. Ça, c'est triste. Feels bad man. Un peu triste. C'est quoi ça? C'est un peu triste aussi. Il y a des red secrets à la montée. Ah. Bon, à savoir. Ah, ça s'est très bien passé, ce petit Apollyon. Shut up! Y a pas une salle d'objets que j'ai bypass? Quand j'étais en mode peut-être que je vais aller vite, mais en fait non. Je sais plus. Possiblement on a un objet à bouffer quelque part quoi. Ou une énième mouche.
info chat, la raid secrète à remonter. C'est pas clair. J'avais pas de clé à un étage, ouais, vers le début, je crois. Je sais plus. Oh là là! Crevé un jour, là! Oh là là, cette armada de mouches rouges. Au voyage. Et des boogers là, hop là, hop là. IPCAC avec. Avec number one, je suis pas sûr. J'ai des doutes. Quoi qu'avec deux Algis. Ça se fait, hein. Mais bon, quand même, hein, il faut arriver à The Beast, hein. Ah bah si, The Fool, ça marcherait, oui, non mais... Ouais, j'ai envie de garder mes Algis. Justice, bien sûr. Ouais, je vais quand même chercher... Je suis pas sûr, hein. Je vais quand même aller voir l'item room. Hein. Par superstition. Ah, bravo. Ah, voilà, voilà, voilà où ça nous mène. Laisse bien raisonnable. J'ai failli y aller dessus, je suis un génie. Oh, le cauchemar de cette salle. Énorme. Très bien. Et non. Et nous continuons à monter, riche comme Jaja. Merci Néa Peacemaker, merci beaucoup. Merci Alice. Oh. Oh. Allez. Ah, le jeu a une histoire, le jeu a un deep lore. C'est assez dark, hein. Hop. Petite mouche à merde encore. Une carte. Bravo. Oh là là, il est tanky, hein. Heureusement qu'il est en état de peur. Magician. J'avais tout pris. Je l'ai pris. Idiot. Idiot bête. Bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai eu un autre objet de Guppy? Non, bah non, c'est pas cette run-là où j'avais touché une tête de Guppy. Parce que si j'avais eu un autre objet de Guppy, allez, à la limite, pourquoi pas le miracle, mais là, oui, non, fallait que j'avale la mouche. Pas habitué à ce perso, pas les réflexes. Hein. Magicien pour la range. Ah oui, ça extend la range en plus. Ah, mais double Algis. Merde, non, mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Au secours. Pourquoi je suis allé là en plus? C'est le shop que j'ai pas pu faire sur un étage. Ah oui.
feels bad, man. Ah, rocher marqué. Ah oui, bah il y a des coffres qui vont pop grâce à... Oh. Grâce à Guppy's Tail. Mais bon, on est à la fin, quoi. Oh, lui, là, lui c'est un sac à pev. Oh oui, oh, oh là là, la morve, oh la morve. Oh, on est là. Pour terminer full pognon, bien sûr. Ça fait plaisir. On se fait plaisir quand même, hein. Des mouches. Jusqu'au bout, on sera fait plaisir. Allez, je termine. Je te dis avec les coffres qui pop là, qui dingue ça. Ah voilà, un bro. C'est bien qu'il me donne un truc cool, quoique non, il va me donner de la merde à part Cérémonial Rome. Et non, il donne plus ça. Vous voulez que je gamble mes 73 pièces restantes? Parce qu'en vrai, si il me donne des cartes Judgment en plus des Pretty Flies, il y a un monde où on a bien 8 mouches là, ici. Et 2 of Diamonds va quadrupler du coup mon argent. 2 Pretty Flies. Ah non! Attends, mais j'avais tarot mes couilles là, non? Je pense à l'envers. Bon, c'est pas grave. On continue là. Oh, j'ai les 3 Pretty Flies, bravo. Jamais douté, hein. Jamais douté. Nice, on l'a eu. Ok. Allez, allez, on n'est pas timide, on n'est pas timide. Les bâtards. Les bâtards. Oh les bâtards, ils vont me faire ce coup-là. Oh le génie. Je ne perds pas espoir. Feels bad, man. Échelle de corne, c'est possible. Pas sûr. Hein. Ah oui, non, mais exact, c'est possible. Je m'en souviens très bien. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on aime trop petit. Hein. C'est vrai que c'est passionnant, quoi. Bon, allez, vas-y, fuck.
Je vais prendre mes deux mouches en plus encore. Garder mon Krampus. Le tapis quoi. Pas de red card, dommage. C'est quoi l'objet? Pas... Ah bah très bien. Oh, quoique ça va être le Delbor. Oh le délire. Ok. Ah ouais, sympa. Sympa comme début ça. Ah, ça fait trop longtemps que je l'ai pas joué. Mais quoi? Il était pas censé switch? Je comprends rien ce boss. Je le joue pas assez et je comprends pourquoi, parce que c'est de la merde. Mais je suis en train de me faire latter le cul. Heureusement que j'ai deux Algis. D'ailleurs, je vais les préparer tout de suite. C'est chiant de devoir se battre sans range, mais bon. Allez, allez, on met de la morve là. On met de la morvasse. Voilà. Magnifique. Encore? Il fonce pas dessus. Il n'y avait pas un monde où il me fonçait dessus. Back in the day. Non, il veut pas. C'est vrai que ça tombe. Et c'est vrai qu'il fait ça. Oh, c'est chiant. C'est chiant, mec. Allez, allez, ça dégueule, ça dégueule. Oh la shop spé, il m'a mis la shop spé, on a rien pu faire. Aïe quoi? Faisais pas gaffe. Allez, un petit Algis qui parle. Si je me mets en lui, il se prend le devant derrière. Le fameux devant derrière à la relevée. Mais reviens. Bon, surtout avec les deux Algis quoi. C'est pas pour rien qu'on joue ces runes là. Moi j'ai pas la patience. Ah, le devant derrière. Mais la morve elle part du coup, elle reste pas. Please ban man.
Quoi, il a le temps de faire le tour. Putain, j'ai pas tant de puissance que ça. Hein. Ok. Allez, c'est bon, c'est la fuite. C'est win. Bravo. Les boogers font le taf comme d'hab. Oh là là, mais je viens de voir l'unlock. Ça aussi c'est bien, non? Il me semble. La chambre d'écho, je sais plus. Il me semble que c'est dingue. Ok, et ben voilà, un seul secret, mais un beau secret. 456, bravo, 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 ça ne s'arrête pas. Alors qu'on a, on en a fait des journées où on débloquait rien, ben on a débloqué 11 secrets. C'est fou. Des bisous YouTube.